Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, j'ai compris. Oui? Oh, le soulagement, putain! Non, non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question. Qu'est-ce qui se passe avec Jess? T'as tout bien fait, comme je t'ai dit. Le ménage, ton linge propre, la vaisselle... Est-ce que je peux chialer tranquillement, s'il vous plaît? Ah non, tu peux être tranquille, mais tu peux pas chialer, rien. C'est bien, maintenant, il est de retour avec nous, bref, ça fait du bien. C'est vrai que tu nous avais un peu oublié, quoi. Maman, vous avez une meuf, vous désertez aussi, je pense. Ouais. Toi, le premier, toi, tu changes de pays, hein, mais... Tu ferais quoi, toi, mon pote? Je sais quoi, mon ex, je suis partie chercher des affaires un mois chez lui, dans la tuer. Ça, c'est mon maillot, ça. Mais je te le rends. Non. C'est quand la prochaine fois que tu peux la voir? Il m'a invité à sa soirée, le producteur. Hein. Bah c'est parfait, je vais ça. Pas y aller. Tu vas y aller, tu vas danser pour elle. S'il vous plaît, faites gaffe ce soir. Parlez bien. Déjà, tes collègues, on se fait un concours d'éloquence contre, on les met tous au tapin. Écoute, y'a pas de frérot, t'es pas au quartier. Et toi, pourquoi t'es resté? Mais tu sais, les femmes, c'est pas que ça. J'aimerais être une femme, moi, pour plus voir ce qui se passe à l'intérieur dans ce labyrinthe, tu vois, féminin. J'ai le droit d'être un homme et d'être quelqu'un de bien, en fait.